Bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loir et je suis avec ma fille aujourd'hui, Leïna. Donc on va vous montrer comment réaliser cette petite boîte, cette petite lanterne. On ne voit pas très bien qu'elle a la lumière, qu'elle a la bougie LED à l'intérieur, mais on peut aussi y glisser des bonbons. Ou des chocolats. Ou des chocolats. Donc on vous montre ça tout de suite. Oui. Donc pour réaliser cette petite boîte qui peut servir soit pour une bougie LED à l'intérieur, soit en boîte à bonbons. Avec le reflet là, on ne le voit pas très bien, mais voilà l'idée. D'accord ? On a utilisé nos jolies, cette découpe poinsettia, qui sont ici. Voilà. Et on va venir avec notre feuille, marquer des plis pour commencer. Donc, vous avez ce joli papier qui est velours de poinsettia, qui est très joli. La feuille fait 25 cm par 7,5. Et on va venir marquer des plis délicatement. Donc, ma fille va m'aider. Vas-y, ma puce. Alors. On va marquer un pli à 4 cm. 4, juste. Vas-y. On se pose bien. Et on n'appuie pas trop fort. On n'appuie pas trop fort, sinon ça abîme le papier. Ouais. 4 cm, on voit le pli ici. Oui. Ensuite, on va marquer un pli à 8. Vas-y. Très bien. 12 cm. Oui. Voilà, on marque. Toujours des 16. Tu te mets à 16? 16. Donc, alors, il est dans le trait, le 16. Oui. C'est un petit peu compliqué. Voilà. C'est un atelier à 4 mains aujourd'hui. Voilà, 16 cm. Ensuite, on va se mettre sur les 20. Sur les 20. Alors, vous vous posez bien, sans faire de petites bêtises. Et ensuite, 24. Et ensuite, d'accord, 24. Voilà. Là. Et on plie. Voilà, on marque le pli. Et voilà. Une fois qu'on a marqué tous les plis, qu'on ne voit pas très très bien, mais c'est normal parce qu'on n'a pas trop appuyé, on va venir délicatement essayer de repérer les plis. Et les marquer, mais délicatement, sinon parce que le papier est très fragile. Vas-y, Leïna. D'accord. Alors, en plus, ce serait dommage de l'abîmer, il est très joli ce papier. Il y a un petit peu de fissiles. Donc là, ce qu'on fait, on prépare le contour de la boîte. Voilà. On continue délicatement. Une fois tout plié, on obtient ceci. D'accord ? Et là, on va juste venir mettre du double face et coller comme ça ici. Donc, on a mis du double face et on vient coller. Et voilà ce qu'on obtient pour commencer. On a besoin de deux feuilles de merlot magique de 5 x 25,6 cm qu'on va venir plier. Leïna, sur les 5 cm, tu plies à 1 cm. Surtout le long. Donc tu te mets de ce côté-là parce que tu as le 1 cm là. C'est plus facile. Hop. Et tu marques ton pli. Voilà. Toujours doucement. Dans l'autre sens, hop, tu as marqué un pli à 4,1. Vas-y. Compris. Ensuite, à 8,2. À 12,3. D'accord. Alors, j'ouvre
là, le coup papier, et on va faire à 16,4. Donc 16, 4. Vas-y. C'est compliqué pour le 16. À 20,5. Très bien, chef. 24,6. Alors, 24,6. Et voilà, il va nous rester un petit centimètre ici. On fait pareil avec la deuxième feuille. Donc, une fois que nos feuilles sont coupées et prépliées, on va venir avec ma fille les couper. D'accord? Donc là, Laïna, je t'en passe une et moi, j'en prends une. D'accord. Et tu vas suivre ce que je fais. En fait, il faut couper tout le long, tout droit. Alors, je fais comme maman. Juste et laisser la petite... Vas-y, tout doucement. Comme ça, c'est bien? C'est très bien, chérie. Alors, normalement, je coupe au coupe-papier. Mais là, comme je voulais que ma fille me suive, oui. Rapproche ta main pour qu'on puisse la voir aussi. Vous ça voyez? Oui, vous voyez. Hop. Tu vas tout doucement. Voilà. Vas-y. Maman, c'est la plus forte. On continue. Pareil, hein, le petit. Voilà. Là, c'est où on a notre petite languette qui dépasse. On va juste venir recouper ici, comme ça. Vas-y, tout doucement. On va marquer tous les plis. Oh, j'ai mal coupé. Vas-y, doucement un peu. Ok? Il faut être patient. Voilà. Et on va venir coller ce petit bout. Donc on va mettre de la colle ici et on va venir le coller comme ça. Mais d'abord il faut marquer les plis de partout. Oh, j'adore marquer les plis moi. La petite languette et on vient faire les crocs. Vas-y. Ensuite on vient mettre un peu de colle ici. Ah, il faut aussi plier ça. Oui, il faut tout plier. Et là, on est en train de préparer le couvercle et le bas de la boîte. Donc, on vient coller. Joli comme tout, la boîte. Voilà. Ça va être magnifique. On vient coller. Alors, ensuite. Donc, une fois que c'est collé, la languette est petite collée, on va venir se poser comme ça. Coller les deux comme ça, les deux autres dans ce sens-là, et ensuite cela comme ça. D'accord? Alors, je fais l'inverse. Alors, je fais comme maman. Donc, on colle. On ouvre. Hein. Ça. Je montre. On colle ces deux-là d'abord. Ensuite, les deux autres. Comme ça? Oui, c'est exactement ça. Et ensuite, celui-là et celui-là. C'est parti. Donc voilà, on colle comme ça. Alors, une fois qu'on a collé, voici ce qu'on obtient. Donc vous avez le choix par la suite, soit de venir découper autour votre papier et couper au ciseau pour le recouvrir, soit de laisser comme ça. À l'intérieur, il n'y a pas besoin. On va venir coller ici le fond sur le côté. Donc on va mettre de la colle tout autour du bas de la boîte. Donc maintenant, une fois que le fond est collé, on colle bien le fond. Donc soit on met de la colle, soit du double face pour bien maintenir sur les côtés. On peut rajouter au fond de la boîte du papier de soie si on a envie que ce soit une boîte à bonbons ou une bougie LED. Et moi, je suis en train de faire les feuilles, les petites fleurs pendant les feuilles. Voilà, voilà. Voilà. Donc on a la première de fait. Ici, on va finir de couper la fleur que Laïna est en train de faire pour faire le couvercle. Et en attendant, il nous faut une bande de papier de 20 cm par 1 cm pour faire le lance de la boîte.
Donc, voilà. On va venir, j'aurais dû le placer avant. On va venir, j'aurais dû le placer ici. C'est ce que j'avais fait la première fois. Donc, on va coller cette partie-là d'abord. Le temps que ma petite puce finisse, moi j'attaque. C'est parti. Lance. Je commence à attaquer la fleur. Donc maintenant qu'on a bloqué l'anse dessus, on va pouvoir venir coller ici notre petite fleur que j'ai faite. Que Laina m'a préparée. Je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière. Hop. Wow. Voilà, ça fait très joli, c'est avec du papier champagne métallisé. Oui, on peut mettre ça, ma puce. C'est des jolis petits... C'est des flocons de perles. Donc, celui-ci... Hop, déjà là. J'en ai fait que deux, des feuillages. J'ai découpé que deux feuillages. Tu veux bien refaire? Non, c'est pas grave. Il y a encore une petite fleur. Ouais, mais non. Alors, voilà. Et là, c'est, on est vraiment... sur le couvercle de la boîte. C'est magnifique. Et... voilà ce que ça donne. Le petit. Et on va mettre avec du glue dot. Glue dot. Les petits bouts qui collent. Glue dot. Du glue dot. C'est marrant le nom du glue dot. Un muffin. Et voilà, ça fait super mimi. Ça fait une jolie boîte. Et on peut mettre la bougie à l'intérieur. On peut mettre la bougie à l'intérieur. Là, elle est allumée. On va la mettre. Là. Où on peut mettre. Ça se voit pas très bien à la caméra. Non, là, ça se voit pas très bien à la caméra. Mais sinon, c'est super joli. Voilà, l'idée est là. Et puis sinon, après, vous pouvez mettre du chocolat dans la boîte. Mais dans quel panier le chocolat? Là, tu vas le prendre. On espère que cette vidéo vous a plu, que les ateliers à quatre mains vous en voulez encore. Nous, on vous fait de très très gros bisous. Et oh, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? De mettre plein de cœur. Et plein de pouces bleus. Et de s'abonner. Et éventuellement aussi, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Laina. C'est mes recettes sucrées, c'est les fans de pâtisserie. Et puis voilà, comme ça, la petite coquine, elle va pouvoir aussi... Tu fais des meringues? On met des meringues dedans. On met des meringues dedans. On vous fait de gros gros bisous. Bye. Bye.